Petit coup d'heure, bien quoi, ça va, mlech, vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, je suis en forme. Ceux qui me sont sur Snapcoot, j'ai annoncé qu'en ce moment j'avais des petites casseroles derrière les fesses. Mais tranquillement, petit à petit, on trouve des solutions. Je te propose d'aller se taper sur Fusdo avec ma petite roublarde. Les MCZ, c'est désormais terminus, tout le monde descend. Donc ça reprendra dans à peu près 2-3 semaines. Donc pour ceux qui ont kiffé le concept, restez connectés, hein, Snapchat, tout ça, les réseaux. Bref, j'ai pas besoin de te refaire la chanson. Ça va reprendre, il y aura une saison 2. Ouais, je fais une petite contraction de biceps, j'en ai pas trop, mais on fait ce qu'on a, mon gars. Bah j'espère que je vais gagner, hein. À tous doux. On est face à Glazia. Parlons peu, parlons bien. A 1000 coups de bleu, après demain il y a une vidéo coup d'à coup sûr en AVS1. Un kickrix d'ouf. C'est bon, maintenant je lance les enchères, j'en ai rien à cirer. Plus de 1000 coups de bleu, enfin, le plafond c'est 1000. Normalement, je sais que ces petits genres de challenge là, vous les ratatinez. Mais bon, c'est jamais, peut-être que vous avez perdu un peu de level au niveau de vos descentes du coude. Donc je vais pas vous mettre un plafond trop haut, échauffement, entraînement. Attends, faut pas qu'il me prenne l'initiative, juste. Juste des trucs comme ça, j'aime pas, tu vois, après je m'énerve, tout ça, on commence à se taper. Bon, j'ai pas besoin de mettre ça en vérité. Donc voilà, 1000 coups de bleu. Après demain, il y a une vidéo. Bref, entrons dans le vif du sujet. Donc, je pose ma petite couillasse sur le sol, hein, comme d'habitude. Hein, on change pas. Une chanson qui gagne, hein, un cric-cric douf qui se douf. C'est toujours la même chose. De toute façon, tu peux prendre n'importe quelle expression, ça revient au même. Alors, lui, il tape une pointe, il va mettre son doppel. Ça fait que mon ocre, il va pas être proqué. Ça veut dire que je suis un skeg, j'aurais dû reculer. Il va peut-être refaire. Il va peut-être lâcher une langue rappeuse, non, je sais pas. Donc, R Glazier, il a 47 R, hein. Il est équipé l'enfant. Oh là là, j'ai pris des dégâts. Putain. Oh là là, c'est ça qui va me... Non, je sais pas si ça m'enlève mon ocre. Ah non, ça va, ça va. Ça compte pas. J'avoue, stylé, stylé. Je pensais que ça me l'enleverait, mais ça va. Bon, là, j'ai ça. Il a quoi? Est-ce qu'il a un Dofus qui lui permet de courir comme une petite galopine? Non, ça va. On va mettre une surcharge parce qu'on sait jamais, je vais taper un run. En fait, je me dis, si je viens là, il va chercher la ligne de vue, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est trop dangereux, j'ai rien à dire, je fais me planquer là-bas, mon gars. Bah évidemment, on va pas jouer avec le feu, hein. Surtout que c'est un chaton. Oh, 5 de PO, en plus, il m'aurait chopé d'ici là avec une petite recop. Je commence à m'énerver, j'aurais pu de la cristalline de travers, j'aurais fait un AVC. C'est pas le but, mon gars. Bon. Il va sûrement tabasser ma bombe. C'est le mieux à faire. Voilà. Oh, t'as pas très fort, hein. Je sais pas si c'est un Eka Flip qui tape fort en CC, mais là, c'était pas virulent. Ah, ok. Il est plus RO. Enfin, quoique, il a 44 de tac, là, mais... Eh, il tape fort quand même, non? C'est pas une roulette, là, qui l'a aidé à jouer à Dofus? Même pas. Eh, il y a un truc qui est bizarre, là. Non? Ok, je sais pas. Bon, on va continuer à se booster, nous, hein. Franchement... Quand tu roublas, tant que tu peux te booster, profite. Franchement, profite. On va faire ça. On va le reculer, comme ça, ça va le forcer à courir encore plus. Je vais aller par là, comme ça, s'il veut me récup ou me fellation. Ok, j'ai de venir jusque là.
Mais est-ce qu'il va venir jusque là? Juste, je vous donne une astuce, hein. Après, peut-être les roublards, ils vont avoir envie de me mettre claque dans la nuque. Peut-être que je vais me faire niquer dans mes prochains combats, je ne sais quand. Bref, on a rien à cirer à cause de ça. Mais quand tu joues contre un roublard, colle-toi contre les murs tout le temps. Parce que quand t'es contre des murs comme ça, là, c'est hyper chiant. Je te jure, c'est chiant. Ok, il va double machin, mais normalement, elle est protégée. Ah oui, il tape vraiment pas fort, hein. Il est vraiment OR, hein. Bon, du coup, il faudrait peut-être que je commence à le mettre dans un mur. Parce que là, on va dormir sinon, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça pue la merde. Bon, on va peut-être envoyer un roublabot du coup. Pour le mettre dedans. Sinon, on va se faire yesh. Paf. Est-ce que je fais une petite dispersion? Je pense, hein. On va se disperser de la manière suivante. Ouh. Ça c'est chiant tu vois parce qu'en fait j'emmène les bombes à lui. Et c'est mieux d'emmener lui aux bombes. Comme ça reste dans mon secteur. Mais vas-y c'est pas grave. Bim 500, 500. Ça va sur 47 hein. C'est presque du 1000. Ça devrait presque faire du 1000. Moins 50 de fuite. Il va peut-être prendre la nozo comme never. Voilà je suis pas là. Il voit un peu flou. Celle-là elle a 549 points de vie putain. Elle a fait sur la sellette hein. Ok il lui reste 3 PA. S'il lance un pile ou face là-dessus. Il va y se planquer là c'est sûr. Je le sens gros comme une patate mon gars. Mais bon, on va tout faire pour le couder, hein. On est là pour ça. Hein. Alors, comment je peux faire là? Faire ça peut-être. Attendez, est-ce que je réfléchis en même temps? Tac. 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 Oh là là. Ça va, ça va. Ça va, mais dodge quand même. Un little level, ça va quand même, ça fait plaisir de voir un peu du jeu comme ça. Des petites carottes qui viennent, qui se plantent. Moi je me prends pour un petit potager man. Je me dirige directement sur le flanc gauche. Gémentation dans sa petite fouf. Et là il se retrouve dans un mur. Donc là il m'a récop. Est-ce qu'il va se chance? Telle est la question. Non, il se chance pas, il en a rien à foutre. C'est quand le récop? Dans 2 tours. Ah là là, la bombe là-haut elle est gênante. Faut que je la neutralise. Du coup, comment je peux faire là? Oh là là, regardez comment je suis en train de me chauffer là. Bim, bim. Oh là là. Oh là là, comment je suis en train de me chauffer. Oh là là. Je faut que je me calme. Je me calme. Je suis en train de me sécu, comme diraient certains. Oh là là, 50 dommages. Eh, faut que tu chances maintenant, mon vieux. Hein. J'ai 33 de résistance critique. Oh! Ok, ça va, on est en place. Chance pas mon gars, contre-coup à la limite si tu veux, vas-y, fais-toi plaisir. Aïe aïe aïe, la chance des K-Flip. Moi je me prends un récup prochain tour. Comment ça va se passer dans les prochains épisodes de Dofus? Oulala, là là, oulala, là là, oulala. Là là. Faut que je meurs, faut que je meurs, faut que je meurs. Alors attendez, je suis en train de me poser une question. Si je me rémission par rapport au récup, est-ce que ça va lui faire du mal? Ou pas? Si je me demande là. Faut qu'il y ait un truc derrière moi, c'est ça? Donc là je fais ça, ça. Que je vais survivre. Aïe aïe aïe. Je sais pas si ça va fonctionner du coup. Il s'est pris une bastos ou pas? Attendez. J'ai pas compris là. 450 d'agilité. Oh là là. Oh là là, Mehdi, reste là, reste là. Ike fait un GR. J'ai dit Ike. Mais Dracoute! Oh là là, la pression est en train de monter dans mon petit esprit là. Mal tourné. Salut, moi c'est Médoche, youtubeur. Ouais, on 12 000 coups d'air bientôt. Trancoude, tu peux t'abonner si t'aimes bien les vidéos. Oh là là! Ça va contre-coup, je pense que ça va contre-coup tous les jours. Attention, mesdames et messieurs, là on est dans un suspense. Ça contre-coup. 4 200 de vie, est-ce que je vais les faire? C'est la question que je me pose. Bim! Donc l'attaque, tu te poses même pas de questions. Tu fonces comme un petit tétraplégique. Attends, si je fais ça. Ça, si je fais ça, putain, je voulais dernier souffle avant. Oh là là, avec moi, en cœur, mes petits coups d'heure, clic clic. Oh Il se là. douffe! Instruction massive, à bientôt, c'était Médoche. Wouh, putain, ça donne la pêche, hein. J'ai la pêche là, j'espère que je te transmets ma pêche. Mais si tu veux une pêche, je te la donne, y'a pas de soucis. Bon, petit rappel au fait, parce que voilà, tu vois, ça peut-être que ça va s'oublier. Vendredi, donc ça a été annoncé officiellement, mes petits coups d'heure, la PGW, il y aura le tournoi Fusdo là. Donc pour tous ceux qui viennent à la PGW,
Ramenez votre bandeau, on va être en équipe, tout ça, ça va être excellent, j'ai ramené ma caméra, je vais vous filmer, on va se mettre en équipe, aïe aïe aïe, on va créer des hymnes, cric cric, douf, médoche, douf, ah là là, ça va être terrible. Bon bref, j'arrête de parler, je crois que j'ai fait un peu trop de spins là, donc prenez soin de vos petits coudes, 1000 coups de bleu, vidéo dans 2 jours, à bientôt, douf.